Bientôt 22 jours qu'on est là, vivre le quotidien malgré le froid, malgré les interventions de la police. Le mouvement prend de l'ampleur. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est important. Ouais. Dire stop, stop. Stop, stop, stop. Voilà. Et on est là jusqu'à ce qu'on ait obtenu gain de cause. Regarde. Mes revenus, c'est 65% de mes revenus. D'accord, vous n'avez pas le droit à la PAL ou je sais pas quoi. Je n'ai pas le droit parce que c'est un maintien dans les lieux. D'accord. Que les seniors ils crèvent, que les retraités ils crèvent, non, que personne. Ah ouais. Et que moi j'ai bossé pendant 40 ans et qu'on me dit je suis plus chanceuse que les autres, alors je suis au même endroit sans rien. En fait, vous avez demandé s'il y avait quelque chose de changé. Voilà. En fait, au niveau du gouvernement, rien n'a avancé, mais l'ampleur par contre du gouvernement. Ouais. Voilà. Et je vois qu'il y a des tentes au nom de personnalités que ça peut faire. Oui, il y a des personnalités qui ont bien sûr participé à la grande soirée solidarité. C'est vrai qu'ils ont personnalisé les tentes. C'est grave. C'est bien. Merci les artistes. Ce qui veut dire qu'on compatisse justement. Ouais. Les humains. Quoi. Vous êtes du Dalme. Je suis délégué des familles. D'accord. Mis dans la rue. Ils ont tout perdu. Ouais, ouais. Tu payes combien? T'as une chambre de 3 mètres carrés. 700 euros. 700 euros. Combien d'enfants? 4. Même si à l'appel, mieux qu'avoir un logement que tu payes normalement sans pourtant d'aide. C'est un business, c'est bizarre comme voilà. Tout. Donc le business entre l'État et les actionnaires, on utilise les gens d'aller dans les hôtels. On paye plus les hôtels, mais on peut payer les appartements. C'est pas constructif. Bon, moi pas très cher. J'ai habité pendant 4 ans chez ma sœur, après mon divorce. Oui. Je dormais avec son fils de 26 ans dans la même chambre. Moi-même, j'ai un enfant de 9 ans. Ouais. Et j'ai préféré aller à l'hôtel. Bon, c'est vrai que l'hôtel, c'est très cher, 750 euros. Combien? 750 euros. Ni toilette, ni douche. Ni toilette, ni douche. C'est sur le palier, quoi. Eh ben, moi, je suis au troisième, il faut descendre premier. D'accord. Et c'est où? À rue Max Dormand. Et il y a plein de sous d'être cafards, envoyés par les cafards. J'ai 12 mètres carrés. Le petit, il n'a même pas l'endroit pour jouer. J'ai une petite pour faire la cuisine, un petit coin pas pour faire la cuisine. Et c'est la galère. Voilà. Quand on leur dit pour faire un traitement pour les cafards et tout, pour effectuer les cafards et tout, ils ne veulent rien savoir. Si le propriétaire du même, avec tout l'argent qui se fait. Voilà. Et ils disent si vous n'êtes pas content, il y a des autres. Et voilà ce qu'on souffre. Ah ouais, il fait rien. Rien. Tu vas pas vivre dans l'hôtel, tu sors, tu gueules un peu, tu dis que tu dégages. Tu vas, tu rentres, tu fermes. Ouais. Comme un prisonnier sans visite et rien. Même pas chauffer l'eau. Je suis à l'hôtel, j'ai payé 2400 euros, j'ai 3 enfants. Oui, depuis le 26 septembre 2003, jusqu'à présent, je suis à l'hôtel. Ça qui moi, il faut changer, Et de chambre, pourquoi? Je suis à l'hôtel. Parce que j'achète l'hôtel, on m'a dit que la préfecture de l'hôtel n'est pas conformal, c'est pas bon, il faut changer l'hôtel, il va à un autre hôtel, il faut chercher un autre hôtel. Le business. Ouais. Et mon client, ça perd toujours. Ça, c'est valable pour tout le monde. L'année passée, Français, papier, tout quoi. L'année passée, j'ai perdu un client, les cantines de mon enfant. Comment? Vous de l'année dernière? L'année dernière, ouais. Je devais réussir des courriers de cantine. Quand je suis quitté à l'hôtel, le courrier était venu derrière moi. J'ai pu retourner, après j'ai retrouvé le prix, j'ai payé jusqu'à 1240 euros. Le quartier était compliqué. Parce que de changer toujours de logement, le courrier, voilà. La donc, merde. Le prix est perdu, j'ai pas trouvé le prix. Mon pauvre ami. Donc, je suis là-bas avec mes deux enfants en bas âge. Je paye l'eau, je paye un peu toutes les charges. Mmh. Avec les charges comprises, ça fait dans 850 euros le mois. Oh, un taux 20 mètres. Un taudis au quatrième étage sans ascenseur. Et dans une. Dans un immeuble pourri, plein de plomb. C'est pas vrai encore. Mais oui. Et voilà. On m'a dit qu'on pouvait pas rester au même endroit. On devait changer d'hôtel. C'est les messieurs qui m'ont dit. Oui. C'est une horreur. Alors parfois tu as des problèmes de papier, toi. Ouais, tu connais ça? Oui, j'ai connu ça à un certain moment, mais j'ai subi du harcèlement. C'est pour ça que j'ai quitté l'hôtel. J'ai vécu un hôtel, dans un hôtel où j'étais toute seule avec mes deux gamins, avec un seul gamin à cette époque-là. Et j'ai vécu du harcèlement sexuel. La galère de l'hôtel, ça y est, je peux te le faire.